nous en redemandons pour le prochain passage. La dernière épreuve pour Élodie Lussac. Il faut absolument qu'elle réussisse ce mouvement pour être championne de France et conserver son titre. Pas de déséquilibre et pas de chute, sinon elle perd tout. Rejeté. Voilà, maintenant elle va aborder les difficultés supérieures. Concentration pour la série acrobatique. Flip, salto pied décalé. Bien, flip. Bien. Et Antoine Poisson, parfaitement exécuté. Elle a la niaque, hein, cette fille. Oh, oui. Oh, ça c'est très bien fait. De valeur mondiale, hein, ce mouvement. Flip, quart de tour bloqué à l'équilibre. Allez. Oh, oui, Poisson. Oui, Poisson. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait. Un programme complet. Techniquement très difficile. Alors, sans nul doute, elle va partir sur la plus haute note. Les autres n'auront qu'à bien se tenir. Attention. Voilà, c'est le plus dur. Maintenant, elle souffle un petit peu et la sortie. On reprend son pouf. Calme. Eh bien, c'est bien pour Élodie. Très, très bien, elle a le sourire. Allez, championne de France. Oui. Et avec un mouvement de valeur mondiale. Alors, on va attendre un petit peu parce que Laetitia Béguet a aussi beaucoup d'expression. On le verra tout à l'heure. Ah, je pense que là, elle a fait vraiment le maximum pour aligner dans cette traversée de poutres tout ce qu'elle pouvait imaginer et qu'elle avait travaillé des heures entières